Hello les VG, est-ce que vous êtes prêts à péter littéralement un câble avec moi aujourd'hui? Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de jeux qui font rager, genre juste un jeu extrêmement dur où t'as qu'un seul objectif, c'est de réussir à terminer le jeu. Mais pour ça, tu dois passer par des moments de rage, des moments de colère. À la limite, frère, je vais être Gohan Super Saiyan 2 à la fin de cette vidéo, tellement à mon avis ce jeu va me faire péter un câble. C'est le genre de jeu assez simple comme ça en premier abord, mais qui sont extrêmement galères. Vous allez comprendre, en fait, on est un ours qui veut tout simplement manger une part de gâteau, sauf que le gameplay, en fait, il est extrêmement dur. On va devoir contrôler le bras de l'ours et tout, ça va être une vraie galère. C'est un peu des jeux comme Surgeon Simulator où tu dois faire une opération comme ça. Bref, un jeu que à la souris, mais c'est une galère. Donc on va tester, on va essayer de faire en sorte que cet ours mange son morceau de cake. Allez, on va voir ce que ça va donner, c'est parti. Donc voici le fameux ours en question. Mais regardez sa gueule, vraiment. Vraiment, c'est quoi cette tête d'ours? Là, on sent qu'il a faim, tu vois. On sent qu'il a faim, mais on dirait même limite que c'est un psychopathe. Du coup, comment ça marche? Voilà. Là, je peux déplacer, tu vois, le bras de l'ours comme ça en mode. Je veux manger ce morceau de cake là, mais je n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Tu as par terre des pots de miel. Tout ours normal pourrait s'enfiler des pots de miel plutôt que de vouloir manger une part de gâteau. Ce serait Winnie l'ourson. T'inquiète pas, mon œuf. Lui, il aurait déjà sifflé tous les pots. Tous les pots de miel, ils sont passés gros dans l'estomac de Winnie. Mais lui, c'est pas Winnie. Lui, il veut un morceau de cake, mon pote. C'est pas la même chose. Donc, attends. Dégage-toi. Voilà. Tu me gêneras plus comme ça. Donc, en fait, c'est grâce normalement à ça là. Je sais pas si c'est une fourchette. On dirait même un pied de biche limite, tu vois. Mais t'es mal la tête de l'ours. Mais regardez sa tête. Sérieux, ça me termine. Ok, cette fourchette pourrait peut-être m'aider à manger les morceaux de cake là. Moi, je vais me régaler. Donc, attendez, on teste. Attention, attention. Ah, comment je suis censé faire? Ah, putain, attendez, je vais devoir trouver un moyen de ramener en arrière. Attends, si je fais ça, la technique du levier, les BG. Attention, oh, oh. Ok, on tient un truc, on tient. Oh, no, los comales y a Kaido al suelo. Ouais, clairement. Ça veut dire quoi ça? Ah non, j'ai perdu. Ça voulait certainement dire, ah, mais t'as fait tomber le morceau de cake. Maintenant, il y a plein de trucs dessus dégueulasses, des poussières, des micros. Je vais pas manger ça, mon ref. Je crois que ça veut dire ça, donc je dois recommencer. Bah, ça commence super bien. Première tentative, c'est un échec. Ok, on recommence, les amis, on recommence. Oh, c'est le moment parfait pour se manger une part de cake. Comment est-ce que je peux faire en vrai? Parce que luckily, I found this new extra long force. Donc il dit, ouais, il faudra peut-être utiliser cette extra longue fourchette. Sauf que le problème, il veut pas déplacer ses grosses fesses du siège. Donc comment est-ce que je fais, moi? Attends, peut-être que si je fais... Bon, si ça marche pas, j'ai fait pire mieux. J'ai éloigné la table, j'ai trop le seum. Attention, attends, on tente un truc. Mais attends, mais je suis bloqué là. Je crois que j'ai déjà tué ma game. Ça fait littéralement 5 secondes que j'ai recommencé cette partie. Et je crois que c'est déjà mort pour moi. Attends, moi que... À moins que... Attends, on va prendre ça là. D'accord, lui c'est un échec. Lui c'est un échec cuisant. Attends, peut-être celui-là. On prend l'élan, regarde. Regardez, attention. Attends. Mais lance-le. Ah, putain, on dirait que je suis en train de faire des combats dans un jeu de combat là. C'est Street Fighter en fait le truc. Mais vas-y, mais balance ton pot. C'est pas balance ton quoi, c'est balance ton pot. Mais vas-y, mais pourquoi il est collé? Mais il est collé à ma main. Mais dégage cette merde. Mais casse-toi de là. Putain, j'en peux plus. Mais je crois. Oh, c'est bon, il a compris, ok. En fait, je crois que je peux lancer que les pots avec du miel dedans. Attends, on va prendre celui-là là. Il est où mon petit pot là? Il est là. Attends, puis je vais plutôt essayer celui-là là. Ah, voilà, ok. Ok, c'est parti les amis. C'est un échec, ça va être galère de fou. Comment, il doit y avoir une strat, hein. Il doit y avoir une strat de dingue pour pouvoir avoir ce morceau de cake. Mais pour l'instant, je la vois pas cette strat. Oh là là, attends, j'aimerais déjà récupérer ma fourchette s'il y a moyen. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer la fourchette? Non, l'ours est en galère. C'est bon, j'ai déjà mon dingue, je recommence la game. C'est bon, il faut pas se payer ma tête non plus, hein. Ok, hop, c'est parti. Alors, comment est-ce que je peux faire? Il faut que j'utilise la technique du levier, mais je soulève pas trop la table. Tu vois, genre juste. Non, ok. Là, c'est toujours pas bon. Non, c'est toujours pas bon. Ok, attends. Si je fais comme ça. Allez. Peut-être comme ça. Voilà. Il faut que j'arrive à la faire tenir comme ça. Voilà, parfait. Allez. Et là, ce que je fais, en fait, il faut que j'arrive à passer en dessous. Non, il est en train de tomber. Oh non. Il est tombé. Quasi. Oh non, là, c'est mort. Regardez la chute. Non. Je crois que c'est foutu là. Quoique. Ouais, non, c'est foutu. Je suis venu recommencer. Mais quel enfer. Mais comment je suis censé faire, les amis? Genre, c'est une dinguerie. Ça me fait péter un câble. Oh, bientôt, je n'aurai plus de chocolat. Mais c'est pas du chocolat là. C'est un pot de cake. Comment je fais pour l'avoir? Oh putain, d'accord. Il s'est vénère là. Là, il a activé le mode rage là. Oh, mais là, il est vraiment vénère en fait. J'arrive vraiment à balancer mes pots comme j'en ai envie. Bon, j'ai compris. Ça va être avec ça. Voilà. Le problème, c'est que je sais vraiment pas comment faire en fait. En fait, il faut juste réussir à ramener la table en arrière. Mais je connais pas la technique pour ça. J'ai essayé pourtant de ramener en la soulevant comme ça. Mais là déjà j'ai l'impression qu'elle est plus loin la table maintenant. C'est moi qui fais de la merde, c'est moi qui l'ai déplacé un peu là avec mes pots. Mais... Ah, j'en peux plus les amis, j'en peux plus putain. Ah, y a pas un manuel? Mais y a pas de manuel. C'est mort, y a pas de manuel en fait. Il me raconte des conneries là, qu'est-ce qu'il me raconte le ref là? Y a pas de manuel. Oh, 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 ouais, ouais, oh, oh, ouais, ouais, oh, oh, oh,
désolé, je me suis un peu emporté. Écoutez, ça c'est la rage, hein. Au bout d'un moment, après la rage vient la folie, hein. C'est l'étape numéro 2, c'est la suite logique, tu vois. J'ai mis la cam plutôt en bas, les amis, comme ça vous verrez mieux l'ours là. Hop. Voilà, oh, tu vois, en soi, ça fait. Si j'arrive à toucher le cake, je suis sûr qu'en vrai, il y a moyen, genre, de propulser le cake sur le mur à droite, là où il y a la table, là, et d'arriver. Il faut que je recommence. Et d'arriver à le faire revenir un peu en arrière. Bon, allez, il faut tenter. Hop, merde, tu vois, parce que là, je le fais aller en avant. Il faut que j'arrive à. Oh, peut-être que le pot va servir de blocage. Attends, merde, non. Non plus. Ah, c'est foutu là. J'ai pas assez de pot là. Mais y a pas un petit pot là, quelque part là. Non. Ok, je reprends ça là. Je reprends ça. D'ailleurs, est-ce que je peux lancer la. Attends, j'arrive déjà pas. Mais tu fais exprès, mon ref. Allez, prends-la. Mais prends-la, regarde. Mais prends-la, mes frères. Mais tu le fais exprès. Mais pourquoi il. On est mort. Ah. Mes frères, regarde, il est en train de faire. Viens. Allez, viens. Bah, je crois que c'est bon. Hein. Je crois que j'ai foiré. Je sais pas pourquoi, mais je dois recommencer ma game. Y a rien qui va. Voilà, en fait, elle était un peu inclinée au début. Tu vois, elle est un peu inclinée. Et le truc, c'est que je l'ai. Attends. Oh, attends. Ouais. J'avais réussi à la ramener un peu en arrière au début. Non. Attends, là, je suis en train juste de gratter la table. Genre, je crois elle kiffe. Hein. Je crois que la table, elle est en train de bien aimer là ce qui se passe. Hein. Attends. Doucement. De la douceur, mon cher ours. Oh, non. C'est pas très doux, ça. Oh. Franchement, il y a quelque chose. Il y a un petit quelque chose, là. Là, j'arrive plus ou moins à la faire revenir en arrière. Ok. Pas mal. Tout doucement. Ok. Oh, bien. Attends. Oh. Attends. Est-ce que... Non. Oh. Finale fort, maman, nage tout d'un saut, t'arrives tout stand up. Mais oui, clairement. Oui, j'ai réussi. Let's go. Papa ours a mangé son bout de cake. Il le mange même pas. En plus, regarde, il se fout de ma gueule. J'ai pris 20 ans. 20 ans. Merci d'avoir joué. Mais mange-le. Mange ton bout de cake, frérot. En fait, j'ai l'impression qu'il a pas de bouche. Regardez là, au niveau de sa bouche, on dirait que tout est collé, genre, et qu'il n'y a pas d'ouverture dans sa bouche. Frère, j'ai passé 10 ans à récupérer ce morceau de cake. Et même pas, il se le met dans la bouche et il le graille. Même pas, il kiffe sa life un peu. Non, il s'en bat les reins. Mais j'ai réussi, les amis. Je suis trop content. Franchement, c'était rageant, mais ça va, je m'en suis plutôt bien sorti. Je pense que il y en a qui doivent plus galérer avec moi. Tu vois la petite technique là de gratouiller la table avec la fourchette, c'était the master technique of the ultimate technique of the technique, mon pote. Eh ouais, là franchement, j'ai fait un travail remarquable. Cet ours me remerciera pour la fin de sa vie, enfin jusqu'à la fin de ses jours, de sa vie. C'est sûr et certain, je lui ai rendu un énorme service. Bref, les amis, vous l'avez compris, c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous avez kiffé voir cet ours très heureux d'avoir enfin pu récupérer son morceau de cake, ça aurait été compliqué, ça aurait été chaotique, même catastrophique, je dirais même par moment. Mais c'était vraiment très sympa, un jeu très simple, mais vraiment cool pour faire une vidéo. Ça m'a fait un peu rager. D'ailleurs, j'ai un peu mal au crâne. Est-ce que c'est trop de concentration? Je sais pas, mais j'ai mal à la tête. Je vais aller me chercher un Doliprane et je vais peut-être aller me chercher un morceau de cake moi aussi. Pourquoi ce serait que lui qui mangerait un gâteau? Nous aussi, on a le droit de manger un gâteau, non? En tout cas, moi, c'est pas un morceau de cake que je veux. Mais si vous pouvez mettre un petit like, moi, je prends le like avec plaisir. Je le graille même carrément s'il faut, il y a pas de souci. Abonnez-vous aussi également, activez la cloche de notification comme ça. Vous ratez rien des futures vidéos. C'était votre tweet comme d'hab. Donc, vous le savez, d'ici là, prenez soin de vous. Portez-vous bien. On se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.